tous et bienvenue sur la carte du ciel du 22 mai 2018. On va aller voir le soleil durant toute la journée de ce 22 mai 2018. Voilà. Donc si vous avez la possibilité de l'observer, faites-le avec un filtre solaire de préférence, même obligatoire pour observer le soleil. Voilà. Il est disponible jusqu'à 21h et quelques, j'étais trop vite là, je reviens un peu en arrière. Puisqu'à 21h53, même 22h et quelques maintenant, parce qu'à cette heure, 22, 21h, je pense pas que même 22h, ça risque d'être chaud d'observer le ciel, vu que le soleil est toujours là, il se couche. En 15, oui, à 15, vous pouvez commencer à observer Vénus, mais il faudra plus attendre 30. Oui. 10h30 sera le préférable pour observer Vénus, mais vous pourrez commencer quand même à observer la Lune, car elle est dans son premier quartier de Lune. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, vous voyez. Elle est dans son premier quartier de Lune. Et elle va directement aller vers la pleine Lune. Dans environ une semaine, on aura la pleine Lune. Voilà. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mais le soleil sera couché définitivement vers à peu près 11h du soir. Voilà. À 11h, Vénus toujours disponible, la Lune aussi. Je vous conseille aussi d'observer à 23h, vu que le ciel sera bien parti pour observer tout ce qui est ciel profond au nord-ouest. C'est les astres qui sont observables, mais pas toute la nuit. Voilà, donc profitez-en pour les observer. Observez ensuite la Lune, si vous voulez. Et puis après, on a Jupiter qui est dans le ciel une bonne partie de la nuit, jusqu'au lever du jour même. Voilà. Et à 11h du soir, vous pourrez observer juste la planète Jupiter et ses satellites Europe, Callisto, Io et Ganymède. Vous aurez aussi la nébuleuse de la tête du cheval bleu à observer. Bien sûr, le ciel profond est observable, mais à un endroit où la pollution lumineuse est modérée, voire quasi nulle et inexistante. Vous ne pouvez pas observer des nébuleuses, ou vous pouvez observer quand même, mais ça risque d'être compliqué en centre-ville, parce qu'il y en a qui font quand même des observations de ciel profond en centre-ville, mais on voit bien que c'est compliqué. Voilà. On va avancer un peu là. Et vers à peu près 2h du matin, vous pourrez observer Saturne. Oui, parce qu'à 1h, elle est visible, mais basse. Qu'à 2h, elle est haute dans le ciel, comme vous allez pouvoir le voir là. Haute dans le... Elle est juste là, vous voyez. Et elle est assez haute dans le ciel pour la voir. Tandis que Mars se lèvera vers à peu près... Elle est là, Mars. Vers à peu près 2h43 du matin, mais à ras l'horizon. Pour attendre qu'elle soit à une horizon à une bonne hauteur, il faudra attendre 4h20 du matin. Environ une demi-heure avant que le soleil ne se lève. Donc à 4h25 du matin, vous pourrez observer Mars, Saturne, Jupiter, ainsi que les étoiles et le cosmos, la Voie lactée, entre deux des petites étoiles filantes qui sont observables tout au long de la nuit. Et puis, comme je vous disais, une demi-heure plus tard, le soleil commence à se lever. Voilà.
Passez une bonne journée et je vous dis à demain. Merci à vous tous et abonnez-vous à la chaîne. Merci.